أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Au nom d'Allah, le tout miséricordieux par essence et par excellence. Louange à Allah. Toutes les louanges du monde entier sont à Allah, le Créateur universel, le bienfaiteur de toute l'humanité. Allah qui, par sa grâce, sa clémence et sa miséricorde, nous a une fois encore réunis autour de ce plateau, sur cette chaîne, la chaîne de tous les musulmans, la chaîne de la lumière, en vue de vous présenter une fois encore le thème sur la moralité en islam, la moralité du musulman. Que la paix, la bénédiction, le salut soient sur le tout, le cerveau, le sceau, le noble, le généreux, de tous les prophètes, j'ai nommé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur aussi sa famille et ses fidèles compagnons. Chers frères et sœurs en islam, aimables spectateurs de la chaîne La Lumière, la moralité du musulman est quelque chose de très important que nous ne nous lasserons de le rappeler. Le musulman qui se comporte bien en lui-même, se comporte bien envers son Seigneur et se comporte bien dans la société est celui-là, est celui-là qui est le vrai musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a rappelé en disant « Ittaqillaha haysuma kunta » « Crains Dieu où que tu sois »« Wa atbi'il hasanata tamu'uha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan » Et comporte-toi avec les gens, comporte-toi mieux, bien avec les gens, comme tu veux qu'ils se comportent avec toi. « Khaliqin nasa bi khuluqin hasanin » avec un bon comportement. Je vous rappelle une fois encore que la mission qui a été confiée à ce prophète qui est le modèle de toute l'humanité, parce que Allah a dit de lui, « Innaka wa innaka la ala khulqin azim » Tu es certes d'une moralité parfaite. Ce prophète d'une moralité parfaite est celui-là qui nous forme, celui-là qui nous enseigne à bien nous comporter. La moralité en islam ne s'arrêtant pas seulement dans les prières, ni dans les zakats, mais aussi dans le jeûne de Ramadan, comme dans le pèlerinage à la Mecque. L'objectif que Allah s'est fixé lorsqu'il nous a demandé d'observer le jeûne de Ramadan, cet objectif-là est le plus clair. Lorsque Allah dit « Ya ayyuhallazina amanu, kutiba alaykumus siyamu, kama kutiba ala allazina min qablikum, la'allakum tattakun. » Oh, qui vous qui avez cru, ô croyants, ô fidèles de Allah, on vous a décrété, on vous a prescrit le jeûne de Ramadan
comme on l'a prescrit à ceux qui vous ont précédé. Puissiez-vous craindre Allah subhanahu wa ta'ala. La'allakum tattaqun. Puissiez-vous, par ce jeûne-là de Ramadan, être les plus pieux, avoir la piété. Donc, si on nous demande, si on nous demande d'observer le jeûne de Ramadan, c'est pour nous amener à être pieux. C'est pour nous demander à avoir en nous la crainte de Allah subhanahu wa ta'ala. Le jeûneur qui ne craint pas Allah n'est pas un jeûneur. D'ailleurs, beaucoup de hadiths ont été les plus clairs. Laisa siyamu min al-akli wa shurb. Ce n'est pas le jeûne de s'abstenir de manger ou de boire. Ce n'est pas cela seulement qui est le jeûne. Innama siyamu min al-lagwi wa rafas. Jeûner, c'est s'abstenir de faire des turpitudes, des mauvais comportements et surtout de s'éloigner, de faire des rapports sexuels avec sa partenaire. Chers frères en islam, le prophète dit d'ailleurs plus haut, « Wa in sabbaka ahadun aw jahala alayka faqul inni sa'imun inni sa'imun. » Si quelqu'un, alors que tu es en jeûne, s'approche de toi et t'insulte, te lance des mauvais propos, quelle doit être ta réaction alors que tu es en jeûne? Tu dois démontrer que tu es en jeûne. Ton jeûne te défend de lui répliquer, de lui dire les mêmes propos qu'il a prononcés envers toi. Tu diras plutôt, « Inni sa'imun, inni sa'im. » Je suis en jeûne, je suis en jeûne. Et il comprendra que jeûner alors, ce n'est pas seulement s'abstenir de manger ou de boire, mais cela va un peu plus loin. Jeûner, c'est s'abstenir de se comporter mal. Jeûner, c'est s'abstenir de se comporter aussi mal. C'est d'avoir en lui un bon comportement, une bonne moralité. Sayyidatu Maryam, que Allah l'a gré, la mère de Isa alayhi salatu wassalam, lorsque les siens étaient venus à elle, l'a provoqué, lancé en son égard des mauvais propos. Ya ukht Harun, ma kana abuki mra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiya. Qui es-tu comme ça? Ton papa, Imran, n'était pas une mauvaise personne. C'est quelqu'un de digne. Il a de la dignité. Il est respecté dans la société ici. Et surtout ta maman, ta mère, Hanna, n'était pas aussi une bordel, une passe-partout. Alors d'où viens-tu avec ce bébé? D'où viens-tu avec ce bébé? Allah lui a dit ce que le musulman aussi doit faire. Lorsqu'on lui prononce des mauvais propos, alors qu'il est en carême, même s'il n'est pas en carême, parce que ce jeûne-là lui forme à être bien bon chaque fois qu'il est en vie. Ce n'est pas seulement dans le mois de Ramadan ou bien dans le jeûne. Alors Allah lui dit, si quelqu'un se hasarde à venir à toi et te lancer de mauvais propos, alors réponds-lui, Inni nadhartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya. Inni nadhartu lirrahmani sawman. J'ai promis à Allah subhanahu wa ta'ala de jeûner. Alors je ne prononcerai aucun mot aujourd'hui à un homme, quel que soit son rang. Alors, les hommes ont compris que Maryam était en jeûne et quel que soit ce que nous lui dirons, elle ne va jamais nous répondre. Alors, ils l'ont laissé. Voilà le sens, le vrai sens du jeûne. Ce n'est pas seulement
qu'on nous demande de rester affamé ou de rester assoiffé. Mais Allah sait que par la faim et par la soif, l'homme aura à se concentrer et surtout à méditer et à comprendre ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de lui. Chers frères en islam, nous avions donc compris pourquoi on nous demande alors de jeûner, parce que le jeûne de Ramadan nous invite à bien nous comporter, nous amène à avoir une bonne moralité dans la vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Rubba sa'im laysa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal-atash » Celui-là qui n'a pas compris le sens du jeûne, il dit « Il peut avoir comme récompense celui qui a jeûné sans suivre les recommandations du jeûne. » Qu'est-ce qu'il a comme récompense? Les récompenses qu'il a, c'est qu'il a été affamé et assoiffé. Il a été envahi par la faim et par la soif, c'est tout. Il n'a aucune récompense qu'il a eu seulement la faim et la soif. Laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal-atash. Il n'a pas d'autre récompense. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est comporté autrement que ce que le jeûneur doit se comporter. C'est pour cela qu'il a dit man lam yada' qawla zur. Celui qui n'a pas cessé de mentir. Man lam yada' qawla zur wa la 'amala bihi. Ni d'attester, ni de faire usage du mensonge dans sa vie, alors qu'il est en jeûne. Falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Allah donc n'a pas besoin qu'il cesse de manger ou cesse de boire, soit disant qu'il est en train de jeûner. Alors, le jeûne veut de nous que nous soyons des gens de bonne moralité. Le pèlerinage à la Mecque, ce voyage que les musulmans font dans le mois de Zulhijja pour accomplir les rites du Hajj, pour aller prier à la Mecque, faire le tour de la Kaaba, aller à Mina Muzdalifa, aller lapider les Jamarat, aller passer la nuit à Muzdalifa, aller sacrifier des bêtes. Tous ces rites sont destinés à amener le musulman à avoir une bonne moralité, un bon comportement. Allah nous dit « Al-Hajju Ashhur Ma'alumat » Le pèlerinage s'effectue dans des mois déterminés. Dans des mois déterminés. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ Celui qui a l'intention de faire le pèlerinage dans ces mois-là, celui qui prend l'intention de faire le pèlerinage, alors il doit faire quoi? فَلَا رَفَسَ وَلَا فُسُوكَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ Point de rapport sexuel, point de perversité, point de dispute dans le pèlerinage. Point de rapport sexuel, point de perversité, point de dispute au cours du pèlerinage. Alors, si tel est le cas, je comprends alors que le pèlerinage m'amène à me contrôler. Parce qu'on me dit de ne pas être pervers. Quelles que soient les offenses qu'on aura à faire à mon égard, je dois être endurant. Et surtout, je ne dois pas me disputer avec quelqu'un d'autre. Contrairement à ce que nous voyons par-ci et par-là, le pèlerin, ne sachant pas l'objectif de son pèlerinage, il pense qu'il s'agit de porter les deux paniers blancs. Il s'agit peut-être, après le pèlerinage, de porter le boubou blanc. Il s'agit de monter en avion. Il s'agit d'avoir le nom Hajj. Il n'a pas compris alors le message. Il ne sait pas que lorsqu'il fait le voyage, il va là, il rencontre toute l'humanité. Tous les peuples sont réunis là-bas. Les blancs, les noirs,
toutes les catégories de personnes du monde entier sont là. Même les pauvres, les nécessités sont là. Les riches, les rois, les présidents, toutes les catégories de personnes sont là. Tous ensemble se soumettent à Allah subhanahu wa ta'ala, le seul que tous les musulmans, tous les pèlerins invoquent en disant labbayka allahumma labbayka labbayk la sharika lak labbayka innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Le vrai musulman qui a fait son pèlerinage sent en lui cette façon de reconnaître la grandeur de Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il s'humilie aux ordres de Allah et s'imprègne de cette communauté, de la société dans laquelle il se trouve. Chers frères en islam, celui qui n'a pas compris le message du pèlerinage, vous allez voir qu'il fera tout ce qu'il veut, il fera tout ce qui peut lui passer par la tête alors qu'il est en train de faire le pèlerinage. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Man hajja al-bayta wa lam yarfus wa lam yaskhab raja'a ka yawmin waladatu ummuhu. » Celui qui a fait le pèlerinage et n'a pas osé faire les rapports sexuels, même avec sa femme au cours des rites, et n'a ni prononcé des mauvais propos à l'égard de son voisin, de son frère, reviendra chez lui après le pèlerinage comme le jour où sa mère lui a mis au monde. On dirait un nouveau bébé qui sort du sein de sa maman, à condition que le pèlerin s'est bien comporté. Alors donc, on comprendra que ce n'est pas ce voyage touristique que les gens pensent, je vais aller visiter, je veux aller regarder, mais c'est plutôt, je m'en vais pour me former à être bien, à bien me comporter dans la société, à être solidaire avec tous mes frères en islam. Chers frères en islam, voilà en quelques mots les piliers de l'islam, leur façon de nous conduire ou de nous former à avoir une bonne moralité en islam. Nous souhaiterons que les musulmans puissent comprendre ce message-là et qu'ils le mettront en pratique à chaque fois qu'ils sont en train d'observer une rite ou bien un de tous les piliers de l'islam. Que Allah, le Tout-Puissant, exauce nos prières. Que Allah fasse de nous un modèle pour toute l'humanité tout entière. Que la paix, la bénédiction d'Allah soit sur vous. Inch'Allah, à la prochaine séance. Inch'Allah, sur la chaîne de la lumière. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lumière Télévision, illuminez votre vie.